fait les lions ? Les lions ? Ce n'est pas bien difficile. Tiens, regarde. Waouh ! Mais on est dans la savane ! Comment tu as fait ça ? Claire Sophie, voyons, nous sommes dans un dessin animé. Oui, c'est vrai, je suis stupide. Oui. Mais revenons à nos moutons. Il ne manque plus qu'un joli dessin de lion à ce décor. Tu peux faire ça ? Bien sûr, je vais te montrer. Pour bien dessiner un lion ou n'importe quelle bestiole en général, une technique bien utile consiste à en connaître l'anatomie. Et pour cela, rien de mieux qu'une bonne séance de dessin du squelette. Vous trouverez toute la documentation nécessaire facilement sur le web, sauf si bien sûr vous disposez d'ossements, d'animaux ou d'humains chez vous, ce qui fait de vous quelqu'un d'étrange. Alors oui, comme pour le dessin d'observation, certains trouveront l'exercice ennuyeux, barbant, académique, assoupissant, contraignant, insupportable. Mais ça peut bien aider, et certains adorent ça. Comme ici on fait plutôt dans le style bande dessinée, il y a une étape supplémentaire. Le design simplifié de l'animal. Autre étape académique certes, mais qui permet de définir un style rapidement. Dessinons tout d'abord une version réaliste du gros matou. Pour obtenir un design simplifié du lion, nous allons raisonner par formes géométriques pour définir les formes de base de sa tête. Ensuite, il faut exagérer les traits principaux, yeux, nez, museau, et ne garder que les traits les plus importants pour le tracer, sans trop rentrer dans les détails. Maintenant que nous avons bien observé la tronche du félin de la savane, nous pouvons en faire un beau gribouillis. Pour respecter la culture populaire contemporaine, nous ferons donc un dessin de lion cool, classe, badass, qui prend son pied. Le crayonné est fini, nous passons à l'ancrage. Notre grand gaillard sera posé sur un caillou, parce que les lions sur les cailloux, c'est encore plus cool, classe et badass. Et voilà! C'est super! Tiens, regarde, en voilà un qui s'est rapproché! Oh, on dirait qu'il va rugir!